Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog un peu spécial. Je me trouve sous la coupole des Galeries Lafayette où j'ai décidé de vous faire découvrir le pop-up store dédié à Disneyland Paris et à Disney en général que les Galeries Lafayette ont mis en place tout récemment. C'est une belle initiative de la part des Galeries Lafayette et de Disney de promouvoir les collections et le parc, le resort en général. Je vous propose de me suivre et puis peut-être que je vous ferai découvrir d'autres lieux que j'aime bien sur pas loin dans le quartier qui proposent des produits Disney. Allez hop, c'est parti! Et là on se retrouve à l'entrée du magasin dans le corner dédié où on voit une jolie mise en scène avec des produits, une ambiance très parisienne, Disneyland Paris, Paris mon amour. Donc on a tout ce qui est cliché mais en même temps très représentatif de Paris, les pavés, le vélo. Là on a un super setup avec le château où on peut se faire prendre en photo et puis il y a également une expérience en réalité augmentée avec Snapchat. Très joli. Admirer la collection mini. Et là tous les jours on peut via un QR code participer à des concours pour gagner des invitations. Donc là on voit le magnifique setup avec le château afin de pouvoir se faire prendre en photo. Et également un coin boutique avec la collection mini Paris. Avec les produits qui sont déjà sur le parc, hein, mais c'est vrai que quand on n'a pas l'occasion de venir sur le parc, c'est l'occasion de se faire plaisir. Ces produits que nous on connaît parce qu'on est, des fidèles, hein. Moi je suis un fidèle, mais c'est vrai que ceux qui ne viennent pas sur le parc, ça peut être très sympa. Donc c'est très parisien, idéal pour les touristes. Également là aussi, boutique avec toujours une collection très parisienne mais là plus dédiée sur la capitale. Là encore des produits très sympas. C'est vrai qu'ils sont très très beaux. Hein. Les pluches sont superbes aussi. Hein. Franchement, Minnie est magnifique. Avec des verres, les oreilles évidemment, petit miroir, un calepin. Donc encore une fois, je ne sais pas jusqu'à quand ça dure, je vais me renseigner. Et puis via Snapchat, voilà, on a une expérience en réalité augmentée. Tout de suite, je vous propose de monter dans les étages pour découvrir le Disney Store que je vous avais déjà fait découvrir dans de précédentes vidéos. Allez, on y va. Donc la sympathique hôtesse à l'entrée m'a indiqué que le corner était en place jusqu'au 31 août, donc tout l'été. Donc c'est l'occasion vraiment, si vous êtes sur Paris, de faire un tour et de profiter de ce petit moment de magie Disney aux Galeries Lafayette à Paris. Et donc voilà au Disney Store, hein, donc qui est au 5e étage je crois. Je corrigerai, hein, je rajouterai une incrustation. Je crois qu'il a... Alors pendant un moment, on disait qu'il allait fermer. Donc est-ce qu'il est en instance de fermeture ou est-ce qu'il est maintenu? Je ne pourrais pas vous dire. Mais en tout cas, c'est vrai que ce Disney Store-là, je l'aime bien parce qu'il est, pas aussi couru, pas aussi fréquenté que celui des Champs-Élysées. Donc souvent, on a un peu plus de choix. Par contre, parfois, les promos des Champs-Élysées ne fonctionnent pas ici.
Je me souviens une fois, j'avais voulu acheter, je sais plus, deux produits qui étaient en promotion et en fait ici ils ne le faisaient pas. Étrange. Pas mal de produits, des soldes aussi, c'est le moment de se faire plaisir. Et puis je vous fais découvrir ça. Là, on a une super collection très estivale, mais qui est toute soldée. Voilà, 50%. Et notamment, par exemple, ces mignonnes petites ears. Évidemment, Black Widow est à l'honneur. Là aussi, pas mal de trucs, c'est cool. Collection pour 40 tasses. Là, il y a des soldes. Je crois que je vais craquer. Ça va être dur de pas craquer. Là, il y a un peu de Cruella là-bas. Ah, il y a beaucoup de Mickey. Hein. Ears, les oreilles de Mickey. Je connaissais pas. On a le hoodies de la Xavier Institute pour si on veut être X-Men. Ah, les produits Noimos, ils sont soldés. Ah, trop cool. Et là, on a le coin des princesses. Elles sont soldées également. Ah oui, c'est en attendant les nouveaux packaging. Ils vont les déstocker parce qu'il y a un nouveau packaging éco-responsable, plutôt pas mal. Donc c'est vrai que toute cette gamme là, il faut qu'ils s'en débarrassent. Ah, il y a si ça. Waouh. Bon, je crois que je vais vous laisser. Et je pense que je vais faire mon shopping. En route pour un nouveau lieu que je vais vous faire découvrir. Merci Disney Star.
Et donc, tout de suite, après les Galeries Lafayette, je vais vous faire découvrir le magasin Miniso, qui est un magasin qui a pour origine, je sais pas, le Japon, la Corée. Ils ont pas mal de produits sympas, gadgets, notamment Avenger. Allez, venez avec moi. Donc c'est un magasin un peu gadget, voilà. Mais il y a pas mal de trucs, Marvel notamment. Donc ça peut être sympa pour se faire plaisir, faire des petits cadeaux. Voilà, vous voyez les prix, c'est plutôt pas mal. 9 euros, 10 euros pour la casquette. Des pochettes à 5 euros. Là, des pochettes bananes à 5 euros. Là, dans notre un peu plus sympa, à 8 euros. Des coussins. Là, du Disney aussi. Ça, c'est nouveau, je connaissais pas. C'est assez cute. Il y a pas mal aussi de papeterie. 159, hein, le Spider-Man géant. Beaucoup de goodies, de gadgets. Tiens, là, il y a des rings pour phone. On dirait que moi, je l'ai acheté 3 euros, j'en ai eu un. Après Marc, je vais peut-être me prendre celui-là.
Et donc c'est devant l'Opéra Garnier que je vais conclure ce petit vlog rapide, voilà, où je vous faisais découvrir deux lieux que j'aime bien à Paris, pas forcément très connus. Voilà, où vous pouvez trouver choper des produits Disney très sympas. Donc si vous avez aimé ce petit vlog, n'hésitez pas à liker, commenter, me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Twitter et Instagram. Toutes les infos dans la barre de description. Et puis je vous donne rendez-vous pour la suite de mes aventures dans l'univers Disney, que ce soit sur le parc ou ailleurs. À très vite et prenez soin de vous et bel été.